Bonjour et bienvenue à la salle d'exposition Jeux de Paume, un place de la Concorde à Paris, métro Concorde. Voici l'exposition de Pierre et Gilles, tant attendu, presque 30 ans de carrière. Nous sommes ici pour découvrir l'exposition qui se déroule du 26 juin au 23 septembre prochain. Je vous invite à venir très vite, on va vous faire découvrir un peu leur exposition à travers une petite centaine de tableaux. On en fera un petit peu moins pour que vous veniez les découvrir. On se donne rendez-vous tout de suite, à tout de suite. Je suis avec un des modèles, Léo, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment s'est passée cette prise de vue? T'es un peu comme une sirène. Ouais, finalement, c'est le dieu des mers thaïlandais. Voilà, et puis j'ai rencontré Pierre et Gilles en 94. Et il m'avait posé des questions, si ça m'intéressait de poser pour eux, voilà. Moi, au début, je pensais que c'était une farce, donc j'ai pas trop cru. Et puis après, on s'est rencontrés, ils m'ont donné... Ça a mis un an quand même pour faire la photo. Ils m'ont posé des questions sur mes origines, d'où je venais, etc. Pour savoir, ils aiment bien, surtout quand c'est une photo personnelle, savoir la personnalité de la personne. Pour essayer de tirer de ce qu'il y a de mieux en la personne, pour qu'elle soit plus à l'aise devant l'objectif, quoi. Et alors, ça se passe comment? Cette prise de photo, elle s'est fait où? En studio En studio chez eux, ouais, auprès Saint-Gervais. Et... Bah, c'est hallucinant, quoi. Faut le vivre pour y être, quoi. On est à l'intérieur d'un décor qui, tout est fait devant, derrière. On est vraiment intégré dans un décor en grandeur nature, quoi. Donc, il y a des positions à tenir. Sous celle de la sirène, elle est vraiment très très compliquée. Non, c'était une bonne expérience, très très bonne. Ouais. Et est-ce que tu t'attendais un jour à voir le tableau exposé ici? Non. Sur le moment, non, on n'y pense pas. Quand on y pense, j'avais 25 ans, donc il y a moins, c'est en 95. Il y a même 12 ans. Voilà, tu es toujours DJ parce qu'à l'époque tu étais DJ et maintenant tu as une résidence. J'organisais les soirées et puis maintenant je suis passé derrière maintenant. Maintenant je suis DJ à l'Étoile tous les vendredis et maintenant je suis à Londres aussi une fois par mois et à Rome. Et puis là je vais commencer mon prochain album à partir de la rentrée. Voilà. Bah écoute, bon courage et puis merci. Et puis on regarde encore le tableau. Merci beaucoup. Merci, ciao. Bonjour et merci de vous accorder un peu de votre temps. Depuis combien de temps connaissez-vous Pierre et Gilles? Depuis 1984, donc ça fait un moment. Vous êtes des amis de longue date? Oui. D'accord. Et ce soir, vous êtes venu voir une pièce en particulier? Oh non, l'œuvre en grand. Grand ici, c'est magnifique, c'est génial. C'est vrai. Vous avez une pièce, une toile préférée? J'ai un petit faible pour la toile où il y a mes filles en bébé. Mais ça, c'est un truc de maman, c'est ridicule. D'accord. Sinon, je crois que je les adore toutes. C'est horrible à dire. J'ai du mal à dire j'en préfère une. C'est vrai, je suis une très grande fan. Mais c'est normal, celle avec vos filles, c'est laquelle? Avec Christian Boltanski, un bébé dans les bras et une petite fille en dessous. D'accord, je vois. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir Ariel. Bonsoir. Alors qu'est-ce que ça fait d'être exposé ici, d'avoir travaillé avec Pierre et Gilles? Oh, mais je n'ai pas encore vu. Ah bon, je l'ai pas encore vu. Mais Pierre et Gilles, ce sont des amis, des artistes merveilleux et des gens d'un charme, d'une tendresse, d'une sensibilité. Alors on les suit, on les aime. Ben, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Hi, hosts. So, how did you meet them? I first met Pierre et Gilles accidentally at a party. In fact, I'd started modeling and they knew me from my pictures, but we met at a party and one thing led to another and that was it. Oh, so that's it. Yeah. And that's how they ask you to pose for them? Yeah, it's been a lot of years, but yeah, and we've been very, very close friends ever since. So that's nice. And how does it feel to see you on pictures? Ah, gorgeous. You look very nice on them. No, they're completely, I mean, the boys are so wonderful. If all my work was like this, my life would be a pleasure, but no, they're really special. So yeah. The shoots are gorgeous and it's great. You get to spend some time together, so. Okay, thank you then. You are really gorgeous on the picture. Oh, bless you. Thank you. You're welcome. Thank you. Bye.
Alors tout d'abord, Pierre et Gilles, bonsoir. Merci de nous inviter pour votre exposition. Ça vous fait quoi un peu de retracer à peu près 30 années de carrière comme ça? Ça nous rappelle beaucoup de souvenirs. C'est comme un album de famille. On retrouve plein de moments de notre vie. On retrouve et plein d'amis. C'est comme une grande fête de famille, une grande réunion. Et puis en même temps, c'est toute notre histoire, la trajectoire. C'est une aventure pour nous qu'on offre à tout le monde. Et voir que le public est là et que se rendre... Voir le sourire des gens, c'est notre plus beau cadeau. Voilà. C'est vous qui avez choisi ce lieu en particulier? On nous l'a proposé, on nous l'a proposé. Et on était ravis. C'était un bel endroit pour nous. Ouais. C'était formidable. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur cette expo. Et c'était un gros travail, mais voilà. Bah, comme votre travail, tout le monde l'apprécie. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne soirée. Merci. Merci. Alors, je suis avec Lola. Bonsoir, Lola. Bonsoir, Fred. Alors là, c'est toi qui es sur le tableau. Il y a cela 15 ans, on a dit. Ça fait exactement 15 ans que j'ai fait cette photo. Donc, vous avez la version jeune et la version un peu moins jeune. Bon, enfin, ça va, 15 ans sont passés. Ça n'a pas vu passer. Comment s'est passé... Aucune emprise sur moi. Excuse-moi. Comment s'est passé le travail avec Pierre et Gilles? Alors, c'est plus du plaisir que du travail, vraiment. Enfin, pour cette photo, tant que je me souvienne, parce que c'est quand même un moment. Très agréable, parce qu'en fait, ils ont cet univers dans lequel ils évoluent, mais ce n'est pas juste leur univers photographique, c'est leur véritable univers. Donc, c'est vrai que dès qu'on rentre chez Pierre et Gilles, on pénètre, en fait, à l'intérieur de leur monde. Donc, très agréable. Je me souviens simplement que cette chose, je ne sais pas si on va mettre un petit rectangle blanc noir à la télévision, en fait, cette chose était attachée à... un piquet, et en fait, comme j'avais demandé à Topolino de me la foncer un petit peu parce que je la trouvais trop rose, elle n'arrêtait pas de tomber, et donc de s'imprimer sur la robe, ça ne se voit pas. Et alors, qui a créé cet univers-là? Est-ce que c'était ton univers à toi, ou est-ce que c'était le leur? Non, c'est vraiment leur univers, en fait, c'est eux qui décident de tout, hein. Je pense que quand on est modèle pour Pierre et Gilles, on se plie à leur volonté, mais quelque part, je pense que, effectivement, c'est aussi un peu mon univers, donc s'ils m'ont choisi, c'est parce que quelque part, on était assez proches. Vous étiez en harmonie. Je te remercie beaucoup. Voilà. Je te remercie beaucoup, et puis il n'y a plus qu'à aller venir voir ton tableau, alors. Exactement, donc venez nombreux voir l'exposition de Pierre et Gilles. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir. Alors cette exposition, vous avez vu tous les tableaux? C'est magnifique quoi, je dois dire, je suis béat d'admiration et tout devant leur travail. Et en plus tant de souvenirs, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens que je connaissais et que j'ai vus, qui étaient des amis, que j'ai vus au Palace évidemment. Tous les amis du Palace de l'époque, de fin 70, début 80 sont là. Mais aussi il y a plein de tableaux que je ne connais pas, que je découvre. Et puis alors je trouve que c'est génial la façon dont ils sont présentés tous avec un cadre magnifique et tout le choix, toute l'ambiance, tout l'univers qui reflète tellement Pierre et Gilles, c'est génial. Génial, quoi. C'est 30 ans de carrière. C'est 30 ans de carrière et c'est 30 ans de merveille, quoi, parce qu'ils n'arrêtent pas de nous étonner. J'ai vu en plus des nouveaux tableaux qui sont notamment des portraits d'eux assez incroyables. Là, on dirait comme un peu comme des camées, comme du mercure. C'est assez étonnant, quoi. Ils ont fait en plus plein de découvertes. Ils ont un style qu'on connaît, qui est reconnaissable entre tous, que personne n'a su égaler, qui a pourtant copié et tout, inspiré plein de gens, mais personne n'a donné ça, quoi. Et en plus, ils continuent à innover et à apporter d'autres choses, donc je les trouve particulièrement extraordinaires, quoi. J'ai vraiment une profonde admiration pour eux. Ça vous a un peu inspiré, ce qu'ils faisaient par rapport à votre parfum? Ben oui, dans le sens où moi, déjà, si vous voulez, je portais la marinière, moi aussi, et tout. Donc, d'ailleurs, ils ont fait une photo de moi qui n'est pas là parce que je ne sais pas où elle est. Je la retrouve plus, à vrai dire. Je la recherche, mais elle n'est pas là. C'est moi qui l'avais et je la retrouve pas. Alors, c'est quelqu'un qui a dû me la cacher. Bon. Et cette photo, donc, où ils m'ont fait avec une pâquerette et tout, j'étais avec ma marinière. Et donc, ce qu'ils ont donné, ça correspond un petit peu à mon univers, à la fois au leur. Donc, c'est des points communs qu'on a ensemble. Et je dois dire que leur univers en général, en effet, est super inspirant, parce qu'il y a plein de choses que j'adore, leur sujet religieux, comment ils le traitent, le côté à la fois les couleurs, la façon dont ils traitent la couleur, la façon de faire de l'hyper-réalisme carrément sublimé, quoi. C'est exceptionnel et unique. Ils sont eux. Vous avez tout dit. Donc c'est jusqu'au 27 septembre. On va se quitter avec Jean-Paul. Donc l'exposition, c'est jusqu'au 27 septembre prochain. Il faut y courir, aller le voir, parce que ça vaut la peine. C'est vraiment un grand moment de plaisir. Merci Jean-Paul. De bonheur, on va dire. Alors à très bientôt. Bye bye.